Hey, salut tout le monde, c'est Blitzkaiman. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est sur Black Ops 1 Xbox One, mais c'est la version 360. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire par là. Aujourd'hui, coup de gueule. Je pense que de toute manière, je l'aurais écrit dans le titre. C'est un coup de gueule. Alors, envers qui? Je pense que c'est de la faute de Microsoft parce que c'est pas Activision qui a porté le jeu sur Xbox One. C'est bien Microsoft qui l'a fait. Alors, un coup de gueule envers quoi? Je vais essayer d'amener le sujet petit à petit, vous voyez, et je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Quand j'ai fait ma vidéo entre guillemets découverte sur le jeu, c'était vraiment mes premières parties. Je n'avais pas joué au jeu avant. Et quand je fais une vidéo, en tout cas c'est mon ressenti à moi, même quand je fais un let's play, vous savez, je suis pas concentré à 100% dans le jeu, je suis concentré surtout sur ce que je dis. Enfin, etc. C'est un peu. Enfin, je vais vous donner un exemple tout con. Par exemple, vous allez regarder un let's play d'un youtubeur. Et vous savez, il doit faire une étape dans le jeu. Vous êtes là derrière votre écran en mode putain, mais c'est devant toi, connard. Tu vois, pourquoi tu vas pas là? Et le mec dans le jeu, le youtubeur en question, vous savez, il va bugger. Enfin, il est en mode putain, qu'est-ce que je dois faire? Et en gros, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est quand tu joues à un jeu en même temps de parler, en même temps de commenter, tout simplement, t'es pas ultra attentif à ce qui se passe dans le game. Bref. Et donc là, bah, je jouais, je jouais, je jouais, je kiffais grave. Et vous savez, dans la vidéo, je disais putain, j'ai un shoot de merde, c'est pas possible, je me bouffe des murs. Donc du coup je me dis, ouais c'est vrai, ça fait un an t'as pas joué à la One, ça doit être la manette, t'es plus habitué à la manette. Donc ok, je fais ma vidéo tranquille, mais je continue à jouer au jeu derrière. Et puis je continue à avoir un shoot de merde, je continue à me bouffer des murs, de toute façon vous allez le voir là, le gameplay c'est de la merde, hein. Concrètement ça reflète exactement le level que j'ai en ce moment même sur le jeu. Je continue à me bouffer des murs, je fais... Putain, mais c'est pas possible. Vous savez, on la connaît tous, la première game de la journée, t'as un shoot, il est pas au top. Mais pas au point de te bouffer des murs quand même, t'es pas un sec pas non plus. Donc là, je fais, ça va mec, j'ai fait au moins une dizaine de games, rends-moi mon shoot, tu vois. Alors, là, vous êtes en train de vous dire, mais putain, mais de quoi il parle le mec? Il nous explique des trucs depuis tout à l'heure, on sait même pas de quoi il parle le bordel. Alors, on va faire simple. Je fais, putain, j'ai pas de shoot. Qu'est-ce que je fais? Ça fait un an, j'ai pas joué à la One, donc forcément. Mon Advanced Warfare il est plus à jour, donc il y a eu des mises à jour entre temps. Donc je télécharge toutes les mises à jour d'Advanced Warfare. J'en ai à peu près pour 3 jours. Je fais quelques pauses hein, entre temps, mais j'en ai pour 3 jours le bordel. Donc pour vous expliquer ma connexion de merde. Et donc j'arrive enfin à jouer à ce Advanced Warfare avec la manette Xbox One. Et là mon shoot il est tranquille, il est parfait. Enfin il est parfait, il est bien, tu vois, il est propre et tout. Je fais c'est pas possible et tout. Ça vient, enfin. Je joue même avec la manette Xbox One, j'ai un shoot bien, voilà. Je retourne sur Black Ops et là, je retourne en mode sec pas, je continue de me bouffer des murs et tout. Je fais putain, mais c'est pas possible. Je vois qu'il y a un décalage. Je vois qu'il y a un décalage. Alors, je vous explique. Je sais pas ce qu'a foutu, ce qu'a branlé Microsoft, mais ils nous ont pondu un Black Ops 1 sur Xbox One avec un décalage. Ignoble, avec une latence ignoble. C'est-à-dire que le mec qui est tranquille sur sa petite 360, il peut continuer de t'enculer tranquillement au calme pendant que toi tu te fais. Bah, pendant que toi t'es en PLS sur ta Xbox One avec un décalage ignoble. Je sais pas comment ils ont fait. Donc j'espère qu'il y aura un patch qui va arriver. Pour bien vous expliquer en fait ce que je ressens. C'est tout con. Pendant super longtemps, j'ai joué sur un écran plat. Et vous savez, un écran plat, c'est sa première utilisation. C'est fait pour regarder des films. C'est pas fait pour jouer. Même si beaucoup de gens jouent sur un écran plat. Enfin, voilà, tu vois, c'est bien, t'as un grand écran, tout ça. Moi, j'ai fait la décale il y a à peu près un an sur un écran PC. Donc, 1 milliseconde de temps de réponse. Donc, c'est le must. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, sur le coup, tu vas pas voir la différence entre l'écran PC et l'écran plat. Quand tu vas être suffisamment habitué à ton écran PC et que tu vas. Rejouer sur un écran plat, c'est injouable. Je vous le dis clairement, c'est injouable. Des fois, je vais jouer chez mes cousins, par exemple, ils ont la Xbox One, tout ça, on joue à Call of dessus. À Call of, c'est le mec, il s'écrit en 2010, le board à Call of et tout. Bref, et c'est injouable pour moi, alors que eux, bah, c'est normal, tu vois, genre, ils sont habitués à leur écran plat, donc c'est normal pour eux, mais pour moi, c'est genre ignoble. Et je pense que tous ceux qui jouent sur PC, enfin, sur un écran PC, savent de quoi je parle, parce que sur PC, bah,
c'est fait pour jouer. C'est genre dans les enfin dans les specs d'un écran plat, tu vas jamais avoir enfin généralement tu n'as jamais écrit le nombre de millisecondes de enfin le nombre de latence qu'il y a. Les millisecondes, c'est la latence en fait. Le temps de réaction de ta console à ton écran. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaie d'être le plus clair possible. Bref. Et donc là, sur ce putain de Black Ops, hein, t'as une latence, mais c'est ignoble. Ça rend, enfin pour moi, ça rend le jeu injouable et ça me donne pas du tout envie d'y jouer. Et ça me casse les couilles. Je sais pas ce qu'a branlé Microsoft, sans déconner. Enfin, what the fuck, quoi. Ils te pondent un Call of Duty avec de la latence. C'est quoi ce bordel? Enfin. Donc voilà, donc. Vraiment, en fait, enfin. Je pense que tous ceux qui jouent à cette version Xbox One comprennent ce que je veux dire. Je sais pas si pour ceux qui jouent sur un écran plat vont voir la différence, mais en tout cas pour celui qui joue sur un écran PC, c'est sûr, je pense qu'il va voir la différence. Donc, en espérant un patch, parce que bah ça serait bien, j'aimerais bien continuer à jouer à ce jeu. Et vraiment, c'est un coup de gueule que je passe parce que. Bah, putain, j'ai l'impression de me faire enculer quoi. C'est pas possible. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like et le commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.